Alors, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne et nous allons apprendre ensemble. Ici, aujourd'hui, nous allons apprendre comment pouvoir télécharger les données à partir du site statistique de la FAO, des données agricoles. Donc, toutes les données liées à l'agriculture de votre pays, bien quel que soit le pays. Donc, ce sont des données qui sont disponibles, que vous pouvez même utiliser pour vos études gratuitement. Vous ne payez pas pour ça. Donc, ici, vous allez dans Google, par exemple, et vous tapez FAOstat. Donc, une fois que vous tapez FAOstat, vous prenez celui-ci-là. OK. Donc, à défaut, quand vous rentrez sur le site de FAO, le site statistique de FAO, c'est en anglais, donc vous pouvez choisir par exemple votre langue, si c'est l'espagnol, quel que soit. Bon, ici, on va prendre français. OK, donc comme c'est en français ici, la première des choses à faire, nous voulons télécharger les données par exemple. On va revenir pour les autres, les indicateurs qu'on parle de données. Donc, on choisit données. Donc, ici, quand on prend données, vous voyez, il y a plusieurs sous-titres, production, sécurité alimentaire, bilan alimentaire, ce que vous voulez. Donc, ici, par exemple, on prend production. Donc, sur production, également, il y a plusieurs choses. Valeur de la production agricole, indice de production, culture produit. Donc, on prend par exemple culture produit. Donc, une fois qu'on prend culture produit, la page là apparaît pour qu'on puisse choisir un pays. On va prendre un pays. Quel pays on va prendre? Un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo. On va prendre le Togo. Le Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui partage la frontière avec le Bénin, le Ghana, si je ne me trompe pas. Donc, on prend le Togo. On veut avoir des données par rapport au Togo. Donc, ici, après avoir pris le pays, on revient ici, par exemple. Vous voyez, animaux vivants, culture des dérivés, ainsi de suite. Donc, si nous savons ce que nous voulons chercher, on va taper en même temps directement le nom de la culture. Donc, ici, on va parler du soja. Donc, on va prendre ici culture primaire. OK, on va prendre huile de soja, par exemple. Donc, nous allons prendre l'huile de soja ou bien yes, culture primaire. Donc, quand on prend culture primaire, tout, beaucoup de choses apparaissent là. On va effacer. On va le prendre avec notre soja et on prend l'huile de soja, par exemple. OK, les cultures dérivées, mais on prend seulement l'huile de soja. Donc, ici, on vient choisir. Puisque les données qui sont ici sont des données time series, des données qui ont été collectées sur un produit donné chaque année. Donc, vous voyez les années ici, on choisit, on va dire par exemple, à partir de 2004 jusqu'à 2015. Donc, ici, on fait le choix 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2013, 2014 et 2015. OK. Donc, ici, quand on finit de le faire, il y a également autre chose ici. Donc, ici, nous avons choisi l'huile de soja. On nous parle de rendement, superficie récoltée, production, quantité. Vous comprenez que si c'était le soja même ou bien si c'était le maïs, je peux choisir des choses ici, par exemple, la production, quantité, ces histoires-là. Donc, ici, on peut toutefois prendre production parce que même l'huile de soja, la production, quelle est la quantité qui a été produite, par exemple. Mais si c'est autre chose, je peux encore cliquer beaucoup de choses. Une fois que j'ai fini là, je reviens ici. Il y a le format CSV ou bien le format Excel, XLS. Donc, si je prends XLS ici, par exemple, je voudrais que mes données viennent en XLS. Donc, c'est ce que cela voudrait dire. Quand je prends ça va venir au format CSV. L'un ou l'autre, c'est bon. On peut toutefois modifier après. Donc, on prend par un CSV et je viens ici montrer les données. Je vais voir d'abord comment les données se présentent avant de pouvoir télécharger. Vous voyez? Donc, voilà.
la production de l'huile de soja, le produit de l'huile de soja, production ici par exemple, et sur le pays, sur le Togo. Donc à partir d'ici même, je peux faire le téléchargement ou bien je peux retourner faire le téléchargement. Quand je clique ici en même temps, donc, je télécharge ça et nous allons voir les données. Donc, quelle que soit la production, que ce soit le maïs, le coton, le cacao, vous pouvez télécharger les données qui sont disponibles pour vos études. Donc, ça arrive, ça n'est pas encore arrivé, voilà. J'ai pris de 2004 à 2015, si je ne me trompe pas. Donc, voilà les données qui sont arrivées que je peux utiliser pour tout ce que je veux. Donc, c'est comme ça, on fait le téléchargement de données sur le site de la FAO. Le téléchargement des données. Donc, on reprend également ici, par exemple, moi, je voudrais, on voit également la production à part entière. Donc, nous pouvons prendre notre pays, par exemple. On prend l'Allemagne, par exemple. On prend l'Allemagne. Et maintenant, ici, le pays Allemagne, on efface tout. Donc, on efface tout par rapport au produit. Et maintenant, j'écris ce que je veux, par exemple, tabac. Et je reprends aussi le soja, par exemple. Soja fait, c'est ce que je viens. Tabac. Et tabac. Je prends tabac. Pour ou non fabriqué, par exemple. Quand je fais ça, je fais la sélection. Également, je vais dire de 2015 à 2018, par exemple. Donc, cette fois-ci, on va faire le téléchargement avec le SLS. Donc, ici également, on va dire produit brut. Je choisis ce que je veux, quoi. Ici, j'ajoute et je viens également faire le téléchargement. Je peux voir ça avant de télécharger ou je peux télécharger directement. Très souvent, quand on essaie de voir, donc on s'assure vraiment que les données sont disponibles et on télécharge. Donc, si on est vraiment sûr que les données sont disponibles, on peut toutefois en même temps télécharger directement. Donc, c'est comme ça, on télécharge les données sur le site de la FAO, les produits agricoles. Ça dépend du pays que vous voulez. Donc, vous voyez, moi, j'ai ces données-là qui sont arrivées. On retourne encore, on continue avec les autres pages. Ici, par exemple, les indicateurs, par exemple. Quand je prends les indicateurs, je vois les indicateurs. Il y a l'agriculture au Togo, par exemple. Quand je prends ça, on laisse, je prends les indicateurs, je reprends le pays. Ici, par exemple, je prends le Togo. Quelques indicateurs. Les indicateurs du... Quelques indicateurs, par exemple, vous voyez, le Togo est ici. Donc, maintenant, si je veux la démographie, je peux cliquer sur ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc, et les indicateurs liés à la démographie. On me parle de la population rurale qui est en bleu et la population urbaine qui est en rouge. Voyez, donc cela vous dit par exemple par rapport à la population du Togo, la population rurale est plus grande que la population urbaine, par exemple. Donc ici le pie chart est représenté, c'est la même chose, mais ici c'est le diagramme circulaire. Ici par exemple les intrants. Les engrais, par exemple, ici. Ici, éléments nutritifs azotés, donc ils sont en rouge. Engrais phosphatés, en jaune. Non, engrais phosphatés, bleu, ici. Éléments nutritifs potasse, en jaune. Ici, on met dans la sous-forme de barchat. Donc, ce sont ces indicateurs-là qu'on peut toutefois voir à partir d'ici. Et c'est des choses aussi téléchargeables qu'on peut télécharger et utiliser pour nos études. Par exemple, disponibilité de la nourriture au Togo. Donc, depuis 2002 jusqu'à 2021. Donc, selon la FAO, la disponibilité de la nourriture a évolué depuis 2002 avec des fluctuations. Et ici, nous sommes là, en 2019. Donc, nous pouvons également télécharger ces données-là. Yeah. Donc, quand on clique juste ici, on fait le téléchargement. Voilà, donc c'est ça, et ça permet de montrer les indicateurs. Donc, je choisis le pays que je veux et je vois les indicateurs de ce pays, par exemple. Donc ici, comparer les données, c'est-à-dire si nous sommes en train de parler, par exemple, du soja, on veut juste faire la comparaison de données à une période à une autre. Donc, quand vous cliquez ici, c'est la même chose.
Donc, c'est ce que FAO Stats nous réserve et ça nous permet également d'avoir des données secondaires et pouvoir faire nos études ou bien faire. Ça peut être un complément de données pour les études que nous collectons pour nos rapports et pour également nos thèses. J'espère que ça vous a aidé et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne.